Mardi, la partie continentale de Chine a rapporté 7 nouveaux cas transmis localement. Le nombre d'infections locales a augmenté de 76% en décembre par rapport au mois précédent. Afin de garantir un nouvel an et une fête du printemps plus sûre, les officiels de la santé en Chine ont annoncé de nouvelles mesures de contrôle. Les travailleurs migrants se sont vus conseillés de soit demeurer sur leur lieu de travail, soit de rentrer dans leur village pendant la période en dehors du pic de la fête du printemps. Les universités et les écoles devront prolonger leur congé d'hiver en fonction de la situation épidémique sur place. Les destinations touristiques limiteront aussi le nombre quotidien de leurs visiteurs. Les hôpitaux et les autorités locales de la santé devront se préparer complètement pour de possibles dépistages de masse et des services médicaux pendant les congés.